Et on va terminer avec LVMH, la valeur du leader mondial du luxe est toujours à la peine, on le sait, lestée par un marché chinois en berne. Toutefois, les cours de LVMH présentent un bilan positif le mois écoulé. Exactement. Et là, alors, on est toujours sur des données hebdomadaires et je vous ai présenté en fait un graphique qui doit pousser en fait à la réflexion. Pourquoi? Parce que le graphique que je vous présente est tout simplement un graphique que l'on appelle un double top, donc un double sommet, qui est une configuration chartiste de retournement baissière. Et ce qu'on appelle la ligne de coup, hein, c'est la zone autour des 650, la zone de support en fait intermédiaire, a été franchie. Et techniquement, du moins en théorie, dès lors que cette zone est franchie, en fait, on active une phase de baisse supplémentaire et on aurait la possibilité de voir l'action baisser encore d'environ 200-230 euros, donc une baisse plus que significative. Bon, ça c'est pour la théorie. Pour le moment, ce qu'on va constater, c'est qu'effectivement la cassure de cette ligne de coup, de cette zone support, a conduit en fait à des achats, comme sur beaucoup d'actions, mais que contrairement à beaucoup d'actions, on n'a pas eu une poursuite, on n'a pas eu un rebond quand même très puissant. Donc, il va falloir surveiller dans les prochaines journées, les prochaines semaines, qu'il n'y ait pas un retour de l'action sous les 650 et surtout sous les 620. Car là, effectivement, à ce moment-là, l'action serait en gros risque de voir se mettre en place une phase baissière, non pas de trading range de moyen terme de plusieurs trimestres, mais là, de plusieurs trimestres à venir. Donc, gros risque éventuel. Maintenant, et comme toujours, lorsqu'on est investisseur, on est un optimiste. Donc, il faut considérer pour le moment que le support a tenu, que les acheteurs se sont présentés. Donc, c'est peut-être effectivement une occasion de rentrer à l'achat dans cette zone. Mais attention, surveillance forte, ne pas repasser sous les 620, car là, vraiment, la situation technique deviendrait vraiment très sérieuse.